vérité, le mensonge. Une histoire de vie et de mort qui va gagner. C'est la vérité. C'est la vérité qui a raison. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire d'infini! Autorité éternelle! Conscience vivante! Hey! Déclare ton nom! Déclare ton nom! Une minute, mon frère! Reste dans les lieux élevés! La conscience de la vérité est en train de gronder le lion de la tribu de Judas! Hey! Alléluia! Son nom, il est né pour rendre témoignage à la vérité! Quiconque est de la vérité! Hey! Entends sa voix! Reçois la conscience de la justesse vainqueur, de la vérité, sans nom, sans nom. Comme Dieu dit, mon Père, tu as tout pour moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel. Oh non! Puissant! Puissant, gloire à Dieu. Amen. La parole, la vérité, gloire à Dieu. Amen. La vérité pour Saint-Dieu, au règne, la force, gloire à Dieu. Amen. La force est de l'Éternel, son nom. C'est la parole de Dieu. Et la vérité entre en combat, en duel contre le mensonge. Il montre son visage, il déclare son objectif. Il dit que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est devant Pilate. Il est devant le trône de la justice de la bête. Et il vient combattre le trône du jugement de la bête qui combat l'esprit dans le monde, qui combat le royaume des cieux, qui combat l'homme nouveau, qui combat l'âme de la vérité, qui combat l'esprit de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors sa parole est vie et esprit, et les adorateurs que le Père cherche sont uniquement ceux qui adoreront Dieu en esprit. Et en vérité, oui, les vrais adorateurs, ils vont connaître par l'âme de la vérité et par l'esprit de la vérité. C'est lui qu'ils adorent. Ils vont connaître la vérité, ils vont sentir vainqueurs. Aujourd'hui, dans ce séminaire, le deuxième jour, la deuxième phase, la deuxième intervention de l'esprit de la vérité, de l'âme de la vérité. Oui, pour lutter contre le mensonge, il intitule cette deuxième intervention la mort et la vérité, gloire à Dieu. Amen. La vérité ou le mensonge, une histoire de mort ou de vie, gloire à Dieu. Amen. La vérité ou le mensonge est une histoire de vie ou de mort. Alors ici, il y a un duel dans la vie de chaque personne que nous sommes, gloire à Dieu. Amen. Alors il faut absolument une victoire. Soit tu es de la vérité, soit tu es du mensonge. Et on va voir par la grâce de l'Esprit de Dieu qui ne parle pas en vain, mais qui parle pour sanctifier et qui a conseillé son corps. Si on regarde dans Ephésiens 4, 25, il va parler de la vérité. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Après s'être dépouillé du mensonge. Voilà ce que vous devez faire. Dans Zacharie 8, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. La grâce de dire la vérité. La capacité de dire la vérité. La conscience de la grâce de Dieu pour dire la vérité. La conscience de l'homme nouveau, la conscience de la parole de Dieu, la force de la vérité triomphante dans une âme qui était en prison, qui était enseignée dans la crainte de la mort. Pour dire la vérité, alors il faut que tu aies livré un combat contre le mensonge. Alors ce combat ne va pas venir comme ce combat est un combat à mort. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est la vie ou la mort. On ne combat pas contre le mensonge à 90%. Alors il y aura 10% en toi qui vont mentir. Gloire à Dieu. Amen. Et ce n'est pas ça la vérité. Alors la lutte pour toujours dire la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Et être serré dans la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui vit en nous et par qui on vit, ne ment pas. Il s'appelle l'Esprit de la vérité. Et puis le sang, l'âme de la vérité qui est en nous ne ment jamais. Sa parole est la vérité. Le ciel et la terre vont passer, mais ses paroles ne passeront jamais. Celui qui le mange vivra par lui. Il dira toujours la vérité. Alors, amen. La vérité est obstruée dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu aujourd'hui, par le mensonge. Alors, pour être délivré du mystère du mensonge, que tu dis
dises toujours la vérité. Il faut que tu sois mort. Amen. Amen. Qu'on ait tué le mensonge en toi complètement et qu'on ait mis sur pied la vérité. Alors, pourquoi faut-il la mort? Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour que tu sois libéré et puis entrer dans la vérité. Pourquoi faut-il que quelqu'un meure? La vérité est une personne. La vérité est une parole, la parole de Dieu qui a une conscience, qui a une âme, qui a une parole. Gloire à Dieu. Amen. Qui a un cœur, qui a des yeux pour penser. Alors, dire la vérité, c'est de vivre la vérité. Vivre par la vérité, vivre pour la vérité, vivre en la vérité. Dire la vérité, ça va être agi par la pensée de la vérité. Ça va être agi par le raisonnement de la vérité. Ça va être agi par l'âme de la vérité. Ça va être mouvoir par l'esprit de la vérité, par la conscience, par la force de la vérité, par la respiration de la vérité. Dire la vérité, c'est vivre par la vérité. Dire, c'est parler. Parler, ce n'est pas simplement les mots qu'on donne. Parler, on peut parler en silence. Gloire à Dieu. Amen. On peut parler par la pensée. On peut parler par le cœur. On peut parler par les gestes. Gloire à Dieu. Amen. Dire la vérité, c'est exister par la vérité, pour la vérité. On parle par une manière d'être. On parle par une manière de marcher. Gloire à Dieu. Amen. On parle par une manière de chanter, de prier. Gloire à Dieu. Amen. On parle, dire la vérité, par une manière de donner. Gloire à Dieu. Amen. Et une manière de recevoir son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Donc, il faut dire la vérité. Gloire à Dieu. Amen. C'est vivre par la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la vérité n'est pas une opinion. Maintenant, pour me faire mentir, il va falloir que tu tues la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. En moi. Donc, ce n'est pas une histoire d'opinion. Le mensonge non plus n'est pas une opinion. Le mensonge, c'est la conscience contraire. Gloire à Dieu. Amen. À la conscience de la vérité. La vérité qui dit que toi, tu vis par lui, par elle. Gloire à Dieu. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole est la vérité. Amen. Amen. Et la vérité a sa conscience. C'est-à-dire que j'ai créé les choses pour vivre par moi, comme moi je veux, comme je voulais. Gloire à Dieu. Amen. À ma manière. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils doivent penser à moi. Ils doivent m'adorer en esprit et en vérité. Dans leur âme, c'est moi qui dois vivre là-bas. Je dois tout coordonner. Je dois tout mettre en ordre. Je suis le prince du repos, le prince de la paix. Dis vivre par moi, pour moi et en moi. Tout a été créé pour moi, en moi et par moi. Alors, le mensonge, c'est la conscience qui nie qu'elle a été créée, qui se lève contre son créateur. La conscience du dragon, la conscience de la bête, la conscience du faux prophète qui a dit que je vais élever mon trône au-dessus de la conscience de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide, que ton orgueil ne s'élève pas, que quand la conscience de la vérité est en train de te convaincre du péché. Amen. Amen. Et du mensonge et de l'erreur, que tu n'aies pas l'arrogance de t'élever dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et prétendre que tu es dans la vérité. C'est un très grand péché de résister l'esprit de la vérité qui a la conscience. Amen. Amen. La Bible l'appelle l'esprit de connaissance et de l'éternel, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Qui était en Jésus, il te dit que crains Dieu, c'est la guerre de conscience. Il va te battre au niveau de la force, la vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Gloire à Dieu. Amen. La conscience de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Qui a voulu s'élever au-dessus de la conscience de la vie a reçu les bombardements, la résistance, l'opposition. Gloire à Dieu. Amen. La frappe sèche de l'autorité, de la conscience, de la vérité, qui a décidé que je crée le feu éternel et je te mets là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Il a créé le feu éternel pour la conscience orgueilleuse, pour la conscience qui s'élève. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui veulent devenir, pour ceux qui veulent devenir Dieu, qui veulent alors se prendre conscience d'une autre personne. Amen. Amen. De la personne de la vérité en eux. Ils veulent une autonomie, un mensonge. Alors, ils sont partis dans le feu, la conscience du mensonge. À
alors est amené dans le feu. La conscience de la vérité a vaincu la conscience du mensonge en créant le feu. Alors la défaite, c'est le lac de feu. Gloire à Dieu. Amen. Alors ceux qui sont dans la conscience de la vérité ont la victoire de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, matin, toute personne qui va chercher la vie éternelle, que servirait-il à un homme gagner toute la terre, perdait son âme. Alors, et on parle de la vérité ou le mensonge, une question de vie. Oh, de mort, quelqu'un doit mourir, terminé. On ne peut pas avoir deux consciences au même moment. On ne peut pas avoir deux pensées au même moment. On ne peut pas avoir deux raisonnements au même moment. On ne sera pas un. Il y a déjà la division. Alors, la bête, le faux prophète, le dragon sont partis dans leur conscience, essayer de créer, essayer de raisonner. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont partis dans leur intelligence, dans leur pensée. Ils disent comment on peut faire. Gloire à Dieu. Amen. Pour contrer la puissance du feu. Amen. Amen. Comment on peut faire pour contrer la force qui est assise à l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les étoiles de Dieu? Par quel mystère, quelle sagesse, quelle invention. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont utilisé tout leur arsenal. Gloire à Dieu. Amen. De profondeur, de sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Pour renverser la conscience de la vérité. Mais ils ont été vaincus. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont été jetés par terre. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont être jetés par terre devant l'agneau de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle du ciel de la vérité ou le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. C'est une histoire de mort ou de vie. Donc la conscience de la mort. Gloire à Dieu. Amen. C'est la conscience du mensonge qui tient beaucoup de gens captifs. Alors le mensonge a sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Le mensonge dit la vérité et n'est plus menti. Alors mentir, c'est parler par la bouche du mensonge. Amen. Amen. C'est parler par le cœur du mensonge. Gloire à Dieu. C'est amen. Penser le mensonge, c'est donner par le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. C'est recevoir par le mensonge. C'est prier par le mensonge. Tout est mensonge. Tu sais que ça ne va pas arriver, mais tu demandes. Amen. Amen. Dans la conscience de moi-même, de soi-même. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le mensonge, c'est la conscience de toi-même. Gloire à Dieu. Amen. L'erreur, c'est la conscience de toi-même. L'orgueil, c'est la présence de la conscience de moi au lieu de la conscience de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu étais intègre dans tes voies jusqu'à ce que l'iniquité fait trouver en toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu reviens, que je vais devenir terminé, tu es parti dans la conscience de la mort, la conscience de la fausse sagesse, mentir, la sagesse de mentir pour gagner les choses du monde va t'être donnée. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'intelligence, gloire à Dieu. Amen. Tout là-bas, c'est ça le mensonge. Faire le mensonge. Le maquillage, c'est faire le mensonge. Dénaturer, gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu a créé, les rapports sexuels illicites, faire le mensonge. Les voies anales, tout ce que Dieu a fait, ils veulent détruire. Tout ce que la vérité a fait et a scellé dans sa conscience de bon sens. Amen. Amen. Et ils viennent contredire, terminer. Ils renversent l'ordre établi, terminé. Alors, maintenant, la vérité est une personne. Et puis le mensonge est une personne. La Bible dit que quand le diable ment, il ment de tout son fond. Il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Et le premier-né de la mort, il a aussi son fils qui s'appelle le premier-né de la mort. Et les parties de la peau des hommes, amen, amen, sont détruites l'une après l'autre par le premier-né de la mort. Alors terminé, donc la mort a sa force. La mort a le mensonge, a son premier-né. Gloire à Dieu. Amen. Alors je suis le premier-né de Dieu. Il dit qu'il est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Et le premier-né du diable, c'est la mort. Gloire à Dieu. Amen. Le mensonge et la mort. Alors que Jésus dit que je suis la vérité et la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ce mystère d'ici. On parle de la vérité ou le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Et une histoire de mort ou de fait. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si c'est le mensonge que tu veux dire, la vérité doit mourir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si c'est la vérité que tu veux dire dans ta vie, le mensonge doit mourir. Gloire à Dieu. Amen. On a vu que le premier né de la mort, le fils du mensonge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il est le grand frère, le premier né de tous les vieux hommes. Amen. Amen. Le vieux homme, dépouillez-vous du vieux homme qui se corrompt par des combattistes trompeux. Le premier né de la vie est le premier. Gloire à Dieu. Amen. Les frères du Seigneur, gloire à Dieu. Amen. L'homme nouveau, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, gloire à Dieu. Donc, on voit bien que les deux vont se battre dans la vie des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Pour obtenir la liberté, la rédemption. On parle de la vérité ou la mort. Une histoire de la vérité ou le mensonge. Alors, une histoire de vie ou de mort. Il n'y a pas de blague là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Le mensonge, le
n'es pas mort, tu vas dire les demi-vérités. Amen. Amen. Et tout ça, Jésus ne prend rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Complètement la vérité. Alors, quand elle vient, elle va d'abord détester le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Par la crainte et fiction. Donc, la vraie parole, quand le Père prie, quand Jésus prie, il dit que Père sanctifie les pas ta vérité. Alors, ta parole est la vérité. Alors, c'est la vraie parole qui va sanctifier pour que tu ne manques pas. Amen. Amen. Toi d'abord tu es. Donc, la vraie parole a le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. À la victoire de la vérité. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En votre moi, je te révélerai des choses cachées. Son nom. C'est la parole de Dieu. La victoire qui nous tient. Gloire à Dieu. Amen. La conscience est supérieure. Gloire à Dieu. Amen. Il est plus sage que le diable. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il est plus conscient que le diable. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le roi vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse, la conscience est vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. De la vérité. Il est né, il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la sublimité de la vérité, à la supériorité et à l'antériorité. Gloire à Dieu. Amen. De la conscience de la vérité qui a tout créé. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qu'on doit adorer. Gloire à Dieu. Amen. En esprit et en vérité. Amen. On doit vivre pour lui, par lui et en lui. On doit renoncer à soi-même. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Il dit à Pilate que tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Pilate lui dit que tu ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner, de te tuer ou de te libérer. Il dit que non, son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas tuer la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Si l'État était donné, c'est la vérité qui sort du ciel. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'autorité, il est né pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui répond à Pilate. Gloire à Dieu. Amen. Devant la mort, la vérité ou bien la mort, le mensonge. Une histoire de mort ou de vie. Donc il dit comme ça pour aller mourir. Gloire à Dieu. Amen. Il part pour vaincre le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Il part pour vaincre la vie du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Il ne craint pas son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Il est venu dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Pour un jugement. Gloire à Dieu. Amen. Le jugement de la conscience et de la vérité. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu vas savoir que la vérité est plus forte. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, gloire à Dieu. Amen. Hey, il combat à partir de la vérité. Il est venu pour un jugement afin que ceux qui voient ne voient plus. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ceux qui voyaient que le mensonge est fort et le mensonge est sage et le mensonge est beau. Gloire à Dieu. Amen. Aveuglés, gloire à Dieu. Amen. Ils vont mourir dans le mensonge, gloire à Dieu. Amen. Ils vont ressusciter dans la vie de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité, le mensonge, une histoire de vie ou de mort. C'est pas la blague. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Et bien aimé, reçois la conscience de la victoire. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Reçois la conscience de la victoire. Hey, alléluia. Amen. C'est comme il pense que tu penses, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Il a d'abord dit qu'autant le ciel est élevé au-dessus de la... Autant mes pensées sont élevées. Au-dessus de vos pensées. Autant ma conscience est élevée au-dessus de votre conscience. Autant la conscience du premier-né de Dieu est élevée au-dessus de la conscience du premier-né de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, gloire à Dieu. Amen. Et il change. Il dit que maintenant je crée un homme nouveau, gloire à Dieu. Amen. Qui sera titulaire de la conscience du premier-né de la vie, la résurrection et la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, il a assis avec moi dans ma conscience, gloire à Dieu. Amen. Il a ma pensée, gloire à Dieu. Amen. Il a mon raisonnement, gloire à Dieu. Amen. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, imagine la hauteur, gloire à Dieu. Amen. De la montagne sur laquelle tu es assise en pensant par la vérité, en pensant pour la vérité, en pensant en la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tu es assis avec Jésus dans les lieux élevés. Il nous a ressuscité avec Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux élevés. Donc la conscience de la vérité que tu as en tant qu'homme nouveau est de loin supérieur. Gloire à Dieu. Amen. À l'homme au vieil homme de la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Comme pour Dieu. Le pense. Son nom, c'est la parole de Dieu. Avec la conscience, là, tu combats la conscience qui veut gagner. Gloire à Dieu. Amen. La conscience qui dit que
ne peut faire comment sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Donc, non, c'est la parole de Dieu. Donc, à nouveau, dans le combat-ci, gloire à Dieu. Amen. On renverse les auteurs, gloire à Dieu. Amen. On renverse les raisonnements, gloire à Dieu. Amen. Tous les plans de Satan, tous leurs gangs, gloire à Dieu. Amen. Que servirais-tu leur gang, leur raisonnement, leur sagesse, leur intelligence. Amen. Amen. C'est pour gagner une couronne corruptible, pour gagner le monde qui va être jeté dans le lac de feu. Non, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, gloire à Dieu. Amen. On ne craint pas celui-là, gloire à Dieu. Amen. On a une autre conscience. On veut gagner la vie éternelle. On est sur la sainte montagne de Dieu. La vérité, oh le mensonge, une histoire de vie. Oh de mort, l'autre doit mourir, gloire à Dieu. Amen. Le vieil homme, avec ce quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède et à sa propre vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie va prendre la conscience du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va prendre l'intelligence. Dieu. Mensonge, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas prendre la force, Dieu. Mensonge, son nom, c'est la parole de Dieu. Pour rester dans la vérité, tu dois tuer ta vie. Amen. Amen. Alors, la parole qui va te donner la victoire s'appelle celui qui était mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est mort pour tuer la vie de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Et la vérité ou le mensonge, une histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas la blague ici. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de liberté, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé également lui-même. Son nom, c'est la parole de Dieu. Afin que par la mort, son nom, c'est la parole de Dieu. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ça veut dire que le mensonge, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la puissance de la mort. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Tu ne peux pas dire la vérité tant que tu crains la mort. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire la vérité à Jésus même. Gloire à Dieu. Amen. Par la vérité, gloire à Dieu. Amen. Tant que tu aimes la vie de la mort, gloire à Dieu. Amen. Parce que tu auras peur qui va tuer ça. Amen. Amen. Alors tu vas cacher ce que tu aimes le plus. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas commencer à mentir. Ne cache pas, porte. Jésus va détruire. Amen. C'est la parole de Dieu. Ne crains pas de donner toi pour qu'il détruise même le dernier désir là. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Complètement son nom. C'est la parole de Dieu. Une histoire de vie ou de mort. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ce qu'il n'a pas tué, c'est ça qui va mentir dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Ce que Jésus n'a pas tué, c'est ça qui va mentir dans ta vie. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui va te faire mal quand il va venir. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça que son épée va frapper. Gloire à Dieu. Amen. On m'a pris, c'est ça, non? C'est ça. On a touché mon champion. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je vais mourir. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pardon, la vérité, gloire à Dieu. Amen. Qui vient tuer la vie, Dieu. Mensonge. Qui emprisonne les gens. On va très clairement là-bas, gloire à Dieu. Amen. La conscience est supérieure. La Bible est claire. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Pas la mort, c'est ça, non? C'est ça. Donc tu ne crains pas de mourir. Mourir pour toi, c'est tuer la vie du mensonge. C'est tuer l'esprit, Dieu. Mensonge. C'est tuer le cœur, Dieu. Mensonge. C'est tuer les oreilles, Dieu. Du mensonge. C'est tuer les yeux, Dieu. Du mensonge. C'est tuer la bouche, Dieu. Du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est tuer la respiration. Du mensonge. C'est tuer le souffle. Du mensonge. C'est tuer le rêve. Du mensonge. C'est tuer l'ambition. Du mensonge. C'est tuer le passé. Du mensonge. C'est tuer le présent. Du mensonge. C'est tuer le futur. Du mensonge. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dans toute sa forme. Gloire à Dieu. Amen. Enfant de la vérité. Ce séminaire de la vérité ne te pas. Tu sors ici avec Jésus. Amen. Tu sors par la vérité. Amen. Tu sors en vérité. Amen. Tu deviens vrai adorateur. Amen. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Ce sont là les adorateurs que la conscience de la vérité recherche. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bonne conscience, gloire à Dieu. Amen. Que quand on t'appelle, gloire à Dieu. Amen. Tu sens dans ton cœur le témoignage de l'amour de la vérité pour ton âme, gloire à Dieu. Amen. Pas par la cupidité qui on veut te demander quelque chose. Amen. Amen. On t'appelle, gloire à Dieu. Amen. Par l'amour profond, gloire à Dieu. Amen. Au nom du sang de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Au nom de l'esprit de la vérité. On demande en l'esprit de la vérité. On donne dans l'esprit de la vérité. Avec la conscience de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est un vrai chrétien. Amen. C'est un vrai pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui t'appelle pasteur conscience. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. 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 Tu as témoigné aujourd'hui. Amen. Tu n'as jamais dit qu'on a prêché sur toi. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu.
Dieu. Il a dit qu'il n'a jamais dit gloire à Dieu. Amen. On a prêché, c'est loué son nom. C'est la parole de Dieu. Il a dit qu'un juif venait au culte, gloire à Dieu. Amen. Et puis lui et sa femme, ils sont arrivés peut-être en retard, gloire à Dieu. Amen. Et puis j'étais là, je les ai vus, gloire à Dieu. Amen. J'ai dit que voilà Ananias et Saphira. Le mari Ananias vient devant. Amen. Amen. Et le mari suit derrière, gloire à Dieu. Amen. Il dit qu'il ne sait pas pleurer son nom. C'est la parole de Dieu. La vraie parole, tu vas honorer la parole de Dieu. La parole va te garder. Amen. On t'a appelé Ananias et Saphira pour que tu ne sois plus Ananias et Saphira. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pour que tu sois une nouvelle créature. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut comprendre. Si tu n'acceptes pas que tu es Ananias qui va appeler pour crucifier. Amen. Amen. Commence à mentir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La conscience est de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donnez aux hommes. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce n'est plus moi qui pense contre Satan. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui pense. Gloire à Dieu. Amen. Pour moi et en moi et par moi contre Satan. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il déjoue tous les pièges. Gloire à Dieu. Amen. Mon père, on m'a tendu les pièges. Amen. Il a déjoué toutes les pièges du commencement jusqu'à la fin. Son nom. C'est la parole de Dieu. La vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Terminé. Alors, la Bible dit, il a participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire que le diable, son nom, c'est la parole de Dieu. Et qui le délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, gloire à Dieu. Amen. Ils avaient peur de la mort. Pourquoi mentir? Parce qu'ils ont peur de la vie de la mort. C'est la seule vie qu'ils ont. Gloire à Dieu. Amen. C'est la vie là qu'ils défendent. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont conduits par le premier-né de la mort pour gagner leur vie sur la terre. Bien. Ils craignent la mort. Ils craignent même de mourir physiquement. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit que tu n'auras sur moi aucun pouvoir. J'ai la conscience de l'immortalité. Amen. L'homme nouveau ne craint pas la mort. Il a la conscience de l'immortalité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience, la vérité a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Amen. La conscience de la mort est tombée. Gloire à Dieu. Amen. Joyeux, je suis prêt non seulement à souffrir, mais à être, mais à mourir à Jérusalem. Pour le nom du Seigneur. Jésus-Christ. Pour la vérité. Gloire à Dieu. Amen. La vérité ou le mensonge, une histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne peux pas te tenir entièrement pour la vérité quand tu as encore ta vie sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Pour quelque chose que tu veux gagner. La Bible dit qu'il va délivrer ceux qui étaient tenus prisonniers toute leur vie par la crainte de la mort. Alors, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Gloire à Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Mon père, si je vends tout, je vais faire comment? Amen. Amen. Si je ne travaille plus, je vais faire comment? Commence à mentir sur la parole. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas la conscience pour savoir que gagner une âme vaut plus que gagner 10 milliards. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je donnerai un homme en échange de son âme. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. La vérité, il y a les gens qui mentent dans tout, ils mentent dans le travail. Le vrai travail, c'est le travail de la vérité. Vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La vraie école, il manque. Amen. Amen. La vraie école, c'est l'école pour avoir la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vraie église, c'est l'église pour avoir la vie éternelle. La vraie prédication, c'est la prédication pour avoir la vie éternelle. Et c'est bien éternel. À un homme de gagner toute la terre. Son âme. Alors, Jésus va détruire le mensonge. Amen. Amen. Il détruit la fausse école. Gloire à Dieu. Amen. Il détruit le faux travail. Il détruit la fausse connaissance. Il détruit la fausse prédication, la fausse prière, la fausse louange. Gloire à Dieu. Amen. Il détruit le vieil homme, la vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. La vérité jalouse. Gloire à Dieu. Amen. Et remplie de force. Gloire à Dieu. Amen. Pour déclarer sa victoire dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On dit que si Jésus n'est pas ressuscité, tant que les morts, vous êtes encore dans vos péchés. Non, c'est la parole de Dieu. On est encore dans la vie du mensonge. S'il n'est pas ressuscité, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les consciences, les gloires. Gloire à Dieu. Amen. Il les a vaincus en triomphant de par sa mort à la croix. La vérité est vainqueur. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la
parole de Dieu. Il avait sur sa cuisse et sur sa poitrine un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il juge et combat avec la justice et la victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé beaucoup de puissance. Gloire à Dieu. Amen. La conscience de l'immortalité, l'homme nouveau sait qu'il ne peut pas mourir. Que la vie que j'ai ne peut pas mourir. Que la vie que j'ai n'est jamais morte. Gloire à Dieu. Amen. La mort de Jésus, c'est la mort de la vie du sang du péché. Gloire à Dieu. Amen. Pendant ce temps, Jésus était vivant dans le séjour des morts. Où il libérait les gens. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il tue la vie de la mort. Gloire à Dieu. Amen. La vie de Dieu est immortelle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne comprends pas. Ça, c'est une autorité terrible. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. La mort et la vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il me dit la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Mais il ne peut pas rester dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors il aura peur de sa vie. Sa vie va le faire mentir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire la vérité à 100%. Gloire à Dieu. Amen. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas mort, gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire la vérité. C'est l'homme nouveau qui est titulaire de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur dit, confie homme, jamais la vérité sortira de ta bouche. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et c'est la force de la vérité. Et c'est la profondeur. C'est Pierre qui dit dans sa conscience. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que quand tout le monde, alors Jésus dit que tous vont me fuir. Amen. Amen. Vont renoncer à la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors pour leur vie, donc vous êtes prisonniers, vous avez peur. Gloire à Dieu. Amen. À cause de la vie de la mort, la seule vie que vous connaissez, vous ne pouvez pas risquer la vie là. Et je vous comprends. Père, pardonne. Ils ne savent pas. C'est qu'ils font. Ils n'ont pas une autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Si ils donnent ça, ils n'ont plus rien. C'est pourquoi on dit souvent aux hommes qui nous posent des questions. Est-ce que il faut maintenant que je laisse au travail, je laisse l'école? On dit que tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Amen. C'est une histoire de la vérité, d'un homme nouveau, de la conscience de la vérité, de la grâce de l'esprit. Amen. Amen. Voilà, c'est lui qui a trouvé un trésor de grand prix. Et puis il vend tout ce qu'il possède. Dans sa joie. Voilà, dans la joie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il a la conscience là. Il a trouvé d'abord avant de laisser l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je renonce à tout. Et je le considère comme la boue. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, avant que je le connaissais, l'école de Dieu. Amen. Amen. Je devais aller m'inscrire à l'université. Amen. Amen. Et maintenant que j'ai découvert l'école de Dieu. Amen. Amen. Je rejette notre école. Gloire à Dieu. Amen. Je suis né dans la conscience, dans la nature qui peut apprendre à l'école de Dieu. Amen. Amen. Pour qu'on t'inscrive en école, il faut les facultés d'ordre d'inéité. Ça veut dire qu'il faut les données naturelles. Tu ne peux pas prendre un homme animal et l'amener à étudier dans l'école de l'homme spirituel. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas s'entendre. Il a la conscience du mensonge. Amen. Amen. Il a la vie du mensonge. Et toi, tu as la conscience de la vérité et la vie de la vie. Vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité pour toi est une personne. Ce n'est pas une opinion qu'on discute. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il est question de vivre par la vérité. Par la personne. De la vérité. Par le goût de la personne. De la vérité. Il a dit que je ne suis pas du monde. Monde. Comme ils ne sont pas. Du monde. Mais pas le du monde. Alors, pourquoi travailler pour ce que tu n'aimes pas? Gloire à Dieu. Amen. C'est contradictoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Il faut bien comprendre ces mystères. Gloire à Dieu. Amen. La vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Terminé. Pas de tolérance là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. 100%. Gloire à Dieu. Amen. L'adoration complète. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. De tout ton cœur. De toute âme. De toute force. De toute ta pensée. C'est-à-dire que par le cœur de la vérité, par la pensée de la vérité, par la force de la vérité. Par l'esprit de la vérité. Complètement. Tu aimeras ton prochain. Comme tu aimes toi-même. Son nom. C'est la parole de Dieu. Toi-même, tu vis par la vérité. Tu veux que ton prochain vive. Par la vérité. Tu veux être parfait, tu vas vendre. Tout ce qu'il possède. Renonce à lui-même. Et à sa propre vie. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que lui servirait-il de gagner toute la terre. S'il perdait son âme. Pourquoi craint-il de perdre la vie là? Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je vais suivre la vérité. Voici Pierre ici qui dit à la vérité. Amen. Amen. Au haut niveau. Amen. Amen. Que quand tout le monde va t'abandonner. Amen. Amen. Je suis prêt à mourir pour toi. Je
Jésus lui dit que non, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience à l'école, gloire à Dieu. Amen. Tu as eu la conscience pour laisser ta femme. Amen. Amen. Pour laisser l'argent et le travail de pêche, gloire à Dieu. Amen. Pour laisser tes enfants, gloire à Dieu. Amen. Pour laisser ta famille, gloire à Dieu. Amen. Pour laisser ta race, pour laisser ta religion, gloire à Dieu. Amen. Parce que je te connais, vous tous, vous êtes les pharisiens. Amen. Amen. Les gens de la synagogue, les gens de Moïse, de la conscience, de la chair, gloire à Dieu. Amen. Oui, gloire à Dieu. Amen. Mais il te reste quelque chose, gloire à Dieu. Amen. Ta vie, gloire à Dieu. Amen. Le mensonge de vie à toi, gloire à Dieu. Amen. J'entends, quand je t'ai dit que je partais mourir, tu as dit à Dieu, cela te plaise, gloire à Dieu. Amen. Et je t'ai dit, arrière de moi, Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne pourrai pas dire la vérité. C'est une histoire de vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Devant, tu vas être coincé, gloire à Dieu. Amen. Dieu à l'église, il sait, tout le temps on te parle, renonce, renonce, c'est ça, non? C'est ça. Meurs, sois crucifié, tu joues, n'est-ce pas? C'est ça. Devant, tu vas trahir la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas commencer à dire, je ne le connais pas, je ne le reconnais plus. Oh, normalement, tu ne peux plus le reconnaître. Tu as changé de conscience. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Que le Seigneur nous aide. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité, le mensonge, une histoire de vie ou de mort. Alors, c'est clairement, Jésus lui dit, je te dis, alors, écoute, Pierre prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour toute une occasion de chute, tu ne le seras jamais. Jamais pour moi. Ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. La lettre de la vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas l'âme et l'esprit. L'esprit de la vérité. Beaucoup confessent comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vais jamais quitter l'église. Je ne vais jamais faire comme ça la lettre. Gloire à Dieu. Amen. De la vérité, mais l'âme n'y est pas. N'est pas là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Il a une autre âme qui aime la chair. Gloire à Dieu. Amen. Il aime les choses que son âme trouve à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Il aime les choses que son esprit trouve à l'église quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il n'aime pas l'âme de la parole. Amen. Amen. Il n'aime pas l'esprit de la parole. Il n'aime pas la tête de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Il n'aime pas la conscience de l'église qui est Jésus. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'aime pas la conscience de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Il va faire naufrage par rapport à la foi. Il va penser à lui-même. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Je sais qu'on ne voit pas. La vérité, le mensonge, une histoire de vie ou de mort. Alors Jésus lui a déjà. Je te le dis en vérité. En comment? En vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. En vérité, on veut dire que dans l'âme de la vérité. Dans l'esprit de la vérité. Je ne suis pas en toi. Gloire à Dieu. Amen. L'âme n'est pas là-bas pour faire le combat. Gloire à Dieu. Amen. Contre l'âme du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Mon esprit n'est pas là-bas pour faire le combat. Contre l'esprit du mensonge. C'est une personne qui est en toi. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je m'en vais le jeter dehors. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Maintenant, a lieu le jugement. De ce monde, le prince de ce monde. Et jeté dehors. Gloire à Dieu. Amen. Dans le cœur de l'homme nouveau, le vieil homme est jeté dehors. Le diable est jeté dehors. L'idolâtrie est jeté dehors. Une autre conscience, un autre désir. Gloire à Dieu. Amen. Une autre volonté, une autre certitude, un autre air. Gloire à Dieu. Amen. Une vie facile. Gloire à Dieu. Amen. Une joie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Une vie éternelle. Quel cadeau, quel que de connaître. Gloire à Dieu. Amen. Je prie que le Seigneur, le Dieu de tous les esprits. Amen. Amen. Alors, où illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous voyez briller la splendeur de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et l'espérance, la richesse de l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel de Dieu pour l'homme nouveau, c'est quelque chose d'incroyable. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est le nom du Seigneur. Son Amen. Nom. C'est la parole de Dieu. C'est l'appelé admirable. Gloire à Dieu. J'admire l'appel de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vocation. Gloire à Dieu. Amen. Céleste en Jésus-Christ, son nom. C'est la parole de Dieu. Je ne peux plus courir pour le monde. J'ai une conscience supérieure. Le diable ne peut plus me mentir. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je ne peux plus me tromper. Gloire à Dieu. Amen. En me faisant avoir les faux raisonnements. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je suis après la vie éternelle. Alors Pierre lui répondait quand il dit d'abord. Jésus lui dit. En vérité. Je te le dis. Cette nuit. Même. Avant que le coq chante. Alors, tu me régnais trois fois, tu me régneras trois fois. Son nom, c'est la parole de Dieu. Omniscience, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Connaît toutes choses, gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir la foi en la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, on va voir comment la crainte
l'autorité de la mort va lui empêcher de dire encore la vérité. C'est la parole de Dieu. Tu peux seulement dire la vérité au niveau où tu es mort. C'est pourquoi tu vas dire la vérité quand tu n'as pas d'intérêt. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on va mener les gens au tribunal, on dit qu'on cherche quelqu'un qui est neutre. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas d'intérêt dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Son nom, c'est la parole de Dieu. On sait que c'est Jésus qui a la vérité. Amen. Amen. On vient te dire avec assurance que dans ce problème, c'est Jésus qui a raison. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a raison de rester en veille. Gloire à Dieu. Amen. Et le mensonge doit mourir. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous voit raison de rester en vie dans ma vie. Amen. Amen. On m'est condamné à mort devant le trône du jugement. Gloire à Dieu. Amen. De la conscience de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Le vieil homme est condamné à mort. Gloire à Dieu. Devant l'autorité de la conscience de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour que je dise la vérité, le Père l'a décidé, le vieil homme condamné à mort. Pour que je sois affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. De la conscience et du mensonge, de l'incertitude. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, les gens qui ne sont même pas sûrs s'ils sont saints. Amen. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est toujours ta vie, c'est toujours ta personne. Gloire à Dieu. Amen. C'est ta conscience. Gloire à Dieu. Amen. Débarrasse-toi de lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, le jugement de la conscience de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Une histoire de vieux ou de mort. Alors, la vie pour l'homme nouveau. Amen. Amen. Et puis la mort pour le vieil homme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Pour que je dise la vérité. Vérité. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi. Terminé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je donne mon corps pour être brûlé. Offert, si je n'ai pas l'amour de la vérité, cela ne me sert à rien. Il n'a pas l'amour de l'âme. Gloire à Dieu. Amen. De la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Il veut combattre au nom de la vérité avec son sang. Gloire à Dieu. Amen. Il croit alors que la vérité est une opinion. Maintenant, il va discuter contre Jésus. Amen. Amen. C'est son opinion avec l'opinion de Jésus. Jésus. Maintenant, Jésus n'est plus une personne. Gloire à Dieu. Amen. Au lieu, c'est une opinion. Pierre dit non, Jésus dit. Oui. Non, c'est la parole de Dieu. Qui est menteur, c'est la vie qui ment. Gloire à Dieu. Amen. Conscient, le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux dire que tu es chrétien à l'église si tu n'as pas expérimenté la mort et la résurrection. Tu restes un menteur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu peux mentir même que tu es crucifié. Hey, que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que tu es crucifié après tu dis qu'on a prêché sur moi. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Qui t'a dit qu'on a prêché sur toi? Hey, qui t'a fait sentir qu'on a prêché sur toi? Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide. Une histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je lui répondis, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Donc Jésus est le faux prophète maintenant. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de la chair. Gloire à Dieu. Amen. La vérité est une personne. La vérité, c'est Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Gloire à Dieu. Amen. La vérité, c'est Dieu. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Ce qui dit la vérité dit que la vérité sort de ma bouche. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une histoire de vieux de mort. On est parti par la grâce de l'esprit. Et on va voir notre ami comment il tombe très mal cependant le voici. Amen. Amen. À l'heure de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Comme il avait dit. Gloire à Dieu. Amen. La conscience est supérieure. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'omniprésent, il est au commencement de ta confession. Amen. Amen. Il va être à la fin de ta confession. Mais laisse que Jésus détruise ton commencement. Amen. Et ta danse et ta fin. Gloire à Dieu. Amen. Tu viens à l'église, ne t'enorgueillis pas que j'ai prié sur les Branhamis. Amen. Amen. Que j'ai fait les miracles sur les catholiques. Gloire à Dieu. Amen. Que j'étais dans telle église. Que Jésus écrase ce mensonge. Cette conviction qui est fausse. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois que la vérité, c'est une opinion de ta pensée. C'est une personne qui vit. Gloire à Dieu. Amen. Pour être de la vérité, il faut qu'il vive en toi et par toi et pour toi. Amen. Amen. Et tu vis par lui. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà ce que veut dire la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Tu dis que tu as fait le miracle, mais tu vis encore. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Faut bien comprendre ce mystère. Gloire à Dieu. Amen. La vérité n'a pas besoin de toi. Gloire à Dieu. Amen. Pour que tu l'aides, la vérité, c'est
ses sentiments. Gloire à Dieu. Amen. Il parle quand il veut. Il donne quand il veut. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité à son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Il prie quand il veut. Gloire à Dieu. Amen. Il marche quand il veut. Gloire à Dieu. Amen. Il se repose quand il veut. Il parle à sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il crucifie quand il veut. Gloire à Dieu. Amen. Il ressuscite quand il veut. Il sème quand il veut. Il récolte quand il veut. Gloire à Dieu. Amen. Il s'élève quand il veut. Il voyage quand il veut. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas quelque chose que tu restes avec ta vie. Tu dis que Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est ta volonté que je voyage au Canada ou bien que je reste au Cameroun? C'est ça la vérité. Non. C'est comme ça qu'on cherche la vérité. Non. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas d'hésitation. Gloire à Dieu. Amen. Il te conduit. Gloire à Dieu. Amen. Il dit qu'on s'en va à Jérusalem où le Fils de l'homme sera crucifié. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Ne viens pas d'une conscience contraire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et cependant, Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Et dis-toi, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. On a dit que la vérité ou le mensonge et l'histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir s'il va dire la vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'il pourra encore dire la vérité? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité connaît pourquoi tu vas mentir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et adore Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus Christ. Jésus. En esprit. En vérité. Dépouille-toi de ton mensonge. Personne ne peut t'aider ici. Gloire à Dieu. Amen. Non. C'est la parole de Dieu. Connaître l'aide de la vérité. Amen. Amen. Connaître l'aide de l'esprit de la vérité. Maintenant, il n'a pas l'esprit de la vérité. Et après, il aura l'esprit de la vérité. Est-ce qu'il aura encore peur? Non. On va le crucifier pour Jésus. Amen. Non. C'est la parole de Dieu. Une histoire de vie ou de mort. S'il n'était pas mort dans la chair, est-ce qu'il pouvait avoir l'esprit? Non. Est-ce qu'il pouvait avoir la victoire? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'est pas mort ne peut jamais résister. La vérité ou le mensonge? Une histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, regardons notre ami ici. Amen. Amen. On lui dit maintenant, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Maintenant, il faut dire la vérité que tu avais dit, non? Amen. Amen. Tu avais prêché, non? C'est ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu étais chrétien, non? Tu étais à l'église, non? On te voyait avec les autres aussi, non? Tu es dans la vie éternelle. Dis la vérité. Yeah. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu vas mentir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as dit que tu ne connais pas Jésus. Hey. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne le reconnais plus. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Ne joue pas avec Dieu. Sois crucifié. Amen. Une fois et pour toutes. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Que Christ est crucifié. C'est la parole de Dieu. Celui qui est mort est libre du péché. Affiné avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair. Affiné avec le péché. Est-ce qu'il va souffrir? Non. Il ne peut pas souffrir. Gloire à Dieu. Amen. Quand ça lui fait mal, il dit qu'on m'a fait. Gloire à Dieu. Amen. Il va te maudire si tu l'as frappé. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais il est niaque devant tous. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les pères disaient qu'il ne peut pas nier. Gloire à Dieu. Amen. Que lui, il est prêt à mourir. C'est ça, non? C'est ça. Que je ne vais jamais quitter l'église de la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est le premier à quitter. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. À prendre les autres disciples avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Le chef de la rébellion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vieux homme, ne lui fait jamais confiance. On ne connaît personne. Selon la chair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Fais confiance à Jésus. Amen. La vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Alors, il nie pourquoi? Parce qu'il a peur pour sa vie. Garde à Dieu. Ne craignez pas celui qui peut tuer. Dieu la chair. Et qui après ne peut rien faire. Ne crains pas. Gloire à Dieu. Amen. Un Dieu qui peut t'envoyer dans le feu. Qui ne te t'aime pas. Que la conscience qui a vaincu la crainte du mensonge. Amen. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Alors, ce qu'il disait, il devait craindre le feu. Amen. Amen. Voilà, mais il n'a pas craint son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Alors, mais il n'y a de devant tous, disons je le sais,
ce que vous, ce que tu veux dire. Son œuvre. C'est la parole de Dieu. Je n'ai plus conscience. Gloire à Dieu. Amen. Réunis la conscience de Dieu. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Rejeter la conscience de la vérité. Vérité. Il n'y a rien qui va te faire rejeter la conscience de la vérité comme la conscience de toi-même. Amen. Amen. Il a maintenant conscience que je vais mourir. Oui. La conscience de moi. Mais l'homme nouveau n'a pas de moi. Amen. Amen. Pourquoi après, quand il sera homme nouveau, il va aller être crucifié avec joie. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La vérité. Ou le mensonge. Avant sa mort. Gloire à Dieu. Amen. Il a menti. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il n'était pas crucifié. Après sa mort. Maintenant, Christ, après que Pierre est crucifié. Amen. Amen. Il va maintenant dire la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, une histoire de vie. Ou de mort. Si tu es mort, quand tu as lâché, tu es crucifié, tu vas dire la vérité tant qu'à l'esprit. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu n'es pas mort? Gloire à Dieu. Amen. Tu vas dire le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Une personne doit mourir. Gloire à Dieu. Amen. Soit le mensonge meurt et la vérité vient. Soit la vérité meurt et le mensonge vient. Son nom. C'est la parole de Dieu. Comme regarde mon temps là-bas. Gloire à Dieu. 52. Et comme il se dirigeait vers la porte. Un autre Seigneur. C'est bon le vie. Jésus lui a dit que tu vas régner combien de fois? Trois fois. Une fois dans le corps. Son nom. C'est la parole de Dieu. Une fois dans l'âme. Son nom. C'est la parole de Dieu. Une fois dans l'esprit. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le fier homme tout entier. Gloire à Dieu. Amen. Menteur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Menteur parce qu'il a peur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. S'il était mort, il devait dire la vérité. Maintenant, il vient encore. Gloire à Dieu. Amen. Je lui demande, il répond mal. Gloire à Dieu. Amen. Au détriment de Jésus. Son nom. C'est la parole de Dieu. Leur réponse est toujours pour s'éloigner de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Mais il y a devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Son nom. C'est la parole de Dieu. Celui-ci était aussi à l'église de la vie éternelle. Celui-ci était aussi à la conférence. Celui-ci était aussi au CME. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il dit que non, je ne suis pas là. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a plus la nourriture. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a plus l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Là-bas, c'est déjà la crucifixion au niveau. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et Dieu t'aide la vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. Son nom. C'est la parole de Dieu. Les adorateurs en esprit et en vérité ont accepté de mourir. Gloire à Dieu. Amen. Non, plus de maisons, ils sont toujours là. Amen. Les renards, les détaillants, les oiseaux du ciel, on gagne. Dans le fils de Dieu, il n'y a pas un endroit pour les tête. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, là-bas, il n'y a plus les mariages quand tu as la chair. Oh, tu n'étais pas de ceux-là, son nom. C'est la parole de Dieu. On te voit déjà dans les faux mariages, gloire à Dieu. Amen. On te voit déjà dans les faux financements. Amen. Amen. En présent de tous, on dit toi aussi, non, gloire à Dieu. Amen. Mais pas, tu disais qu'on ne se marie pas quand tu as la chair avec la convoitise. Tu m'as dit que je ne connais pas cet enseignement. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, que Dieu t'aide. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge, qu'est-ce à quoi? Celui qui voudra gagner sa vie, il la paix. Perdia. Celui qui voudra sauver, sa vie, il la paix. Perdia. Celui qui aime sa vie, il la paix. Perdia. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va mentir. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu arranges ta faim. Amen. En détruisant le faux commencement. Amen. Tiens, reçois la conscience de Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu. La fausse force. Gloire à Dieu. Amen. T'as dit que j'ai l'enthousiasme. Amen. Amen. Après quelque temps, tu ne les vois plus. Amen. Amen. Son c'est la parole de Dieu. Ils ne sont plus là. Comme disait le pasteur là-bas, où j'ai écrit, qu'ils ont déjà décampé. Amen. Amen. Son c'est la parole de Dieu. Terminé. Comme il se dirigeait vers la porte, un autre servant le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Il y a de nouveau. Ça, c'est l'âme maintenant. Amen. Amen. Le mensonge monte. Gloire à Dieu. Amen. Il entre dans le temple de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il réunit. Gloire à Dieu. Amen. Le Père. Gloire à Dieu. Amen. Il réunit le Fils. Il réunit le Saint-Esprit. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, il réunit l'esprit de la paix.
parole. Gloire à Dieu. Amen. Il renie l'âme de la parole. C'est-à-dire le sang de la parole. Il renie l'eau de la parole. Son âme. De la parole de Dieu. Et maintenant, tu utilises déjà l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Pour prier. L'eau aussi. C'est ça, non? C'est ça. Mais pas toi aussi, tu étais avec l'église de la vie éternelle. Tu étais aussi avec Jésus, non? Amen. Tu disais qu'il est venu avec l'eau, n'est-ce pas? C'est ça. Pour l'homme nouveau. Maintenant, toi voici qui utilise l'eau de la chair. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et toi voici qui utilise maintenant le fluide. De la vie. Et son nom. C'est la parole de Dieu. Il n'y a plus le sang vivant par lequel tu vis. La vérité là n'a plus d'âme. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et gloire à Dieu. Et voici qui utilise maintenant lui. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a plus l'onction du Saint-Esprit. N'est pas c'est toi qui disais que l'onction nous enseigne toutes choses. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu as menti. Gloire à Dieu. Amen. Tu as triché la lettre. Gloire à Dieu. Amen. Tu as attrapé au niveau de la vie et l'esprit. Oui. Son nom. C'est la parole de Dieu. La vérité ou le mensonge. Une histoire. De vie ou de mort. Terminé. Gloire à Dieu. Il est le mien. De nouveau. Avec ses mains. Et il dit que je ne connais pas. Pas cet homme. Gloire à Dieu. Je ne connais pas l'homme de douleur. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gagner, il veut les choses agréables, la démangeaison. D'entendre des choses agréables. La parole là est trop. Tu. Son nom. C'est la parole de Dieu. La vérité ou le mensonge. Une histoire de vie ou de mort. C'est encore dit parce que tu veux vivre. Gloire à Dieu. Amen. Si tu étais mort, ce serait facile. Parce que tout est facile. Pour l'homme nouveau. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ton fardeau est doué. Léger. Son nom. C'est la parole de Dieu. Troisième dimension, l'esprit paix après. Ceux qui étaient là. S'étant approché. Dire. À pied. Certainement. Tu étais. Aussi. C'est de ces gens. Ah, ça c'est la conscience. Amen. Amen. Regardez la conscience car ton langage. Te fait reconnaître. Son nom. C'est la parole de Dieu. La conscience, gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, on va revenir là-bas une autre fois. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Les personnes qui parlent là, ils ont été imprégnées par la conscience de la crucifixion. Amen. Gloire à Dieu. Attendez, aujourd'hui, toute personne qui est dans l'école de la vie éternelle. Amen. Amen. Qui a écouté l'enseignement et c'est partout où tu vas partir. Quand on va prêcher, tu auras une partie de toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas savoir que c'est le faux évangile. Amen. Il faut être crucifié. Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Personne, son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la vraie parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Tu es là-bas dedans. Amen. Amen. C'est pourquoi on sait que tu vas te répandre. Oui. Tu vas revenir. Gloire à Dieu. Amen. Bien son nom. C'est la parole de Dieu. La semence qu'on a mise en toi était véritable. C'est une semence vainqueur. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu va revenir. Gloire à Dieu. Amen. La force de la résurrection d'entre les mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, d'entre la mort, cette pierre ne peut pas se repentir. Gloire à Dieu. Amen. Mais si Jésus est ressuscité, d'entre la mort, alors Pierre peut se repentir et arranger ses erreurs. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et terminé aussitôt, quand ton langage te fait reconnaître, alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Gloire à Dieu. Amen. Ne le connaît pas. Cet homme, la conscience commence à vouloir défendre sa vie. Son nom. C'est la parole de Dieu. A fait le boucan. Gloire à Dieu. Amen. Allez dans YouTube. Commencer à parler, gloire à Dieu. Amen. Allez appeler les autres frères, dire les choses sur Jésus. Amen. Amen. Dire les choses sur le message, gloire à Dieu. Amen. À faire les tempêtes pour gagner ta vie. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pour sauver ton honneur, l'objet de ta convoitise. Son nom. C'est la parole de Dieu. Aussitôt le coq chantant. Et Pierre se souvient. C'est la parole que Jésus avait dite. La conscience vivante, omniprésente, dans le présent et dans le futur. Son nom. C'est la parole de Dieu. Avant que le corps chante, tu me régneras. Trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Lève-toi pour pleurer. Amen. Au nom de Jésus qui s'est levé. Son nom. C'est la parole de Dieu. Au séminaire de la vérité. Il est ressuscité d'entre les morts. Un espoir de vie. Au nom. Il est mort. Pour que tu dises la vérité par la résurrection. Donc, il est mort. Témoin de la résurrection immédiate. Ici, il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Montant les fenêtres, soutient le combat. Par la Dieu. Séminaire, vivant. C'est une histoire de vie ou de mort. Si tu es mort, tu m'as dit la vérité. Tu n'es pas mort, tu ne diras pas la vérité.
vérité. Terrible autorité. Terrible victoire. Merci Seigneur. Mène-le de prière. Soutiens le combat, mon talent, Seigneur. Si tu es tombé, tu vas te repentir. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il va ranger tes erreurs. Une histoire de vie ou de mort, il va crucifier. Il savait que tu avais peur de la mort. Que la mort te tenait qu'un test. Il a vaincu la mort. Renonce à toi-même. Mets une vie de vérité. En nouveauté de vie, mon talent, Seigneur. Soutiens le combat. Merci Seigneur.